Good morning, allez, Yidane, les Suisses, aujourd'hui, le Lonishmat, Chaya Esther, Bat Myriam, c'est que l'Irfoua Tolevi, Israël, Shimon, Ben Chaya Esther, Hamshat Myriam, Bat Rosvena, et Benjamin, Ben Chibiba, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dès notre prochaine étude de Nemisha, contre la cinquième unité éternelle, nous étudions la Sechet et Rovin, Perektet, Mishnah Dalet, abonné, Aliyah, Al-Gabei, Shnei, Batim, Vechen, Gesharim, Amifulashim. Metal, Telin, Tachteem, Beshabbat, Divrei, Rabbi Yehuda, Vachachamim, Osrim. Veod, Amar, Rabbi Yehuda. Me'arvin le mavoy mefoulash vachachamim osrin. Je traduis directement. Abonné à l'IA al-Gabei Shne Batim. Celui qui va construire une, comment dire, une maison en étage au-dessus de deux maisons. Soit, et là, le principe, d'abord je vous dis très, très simplement, le principe qu'on va voir maintenant dans toute notre Mishnah, c'est qu'on a la voie publique, mais qui est fermée de deux côtés. On va le voir sous plusieurs formes, mais c'est le même principe. On va voir Rabbi Yehuda qui va te dire, écoute-moi, si c'est fermé des deux côtés, on va pouvoir te permettre plein de choses, parce que tu as déjà deux parties fermées, pour pouvoir permettre les deux côtés manquants en pleine voie publique, ouais, d'accord? Deux maisons, une en face de l'autre. Rabbi Yehuda, il va nous dire, puisque tu as déjà deux murs en face de l'autre, il va nous trouver toutes sortes de facilités pour pouvoir considérer qu'il y aura quatre murs et permettre de porter sur la voie publique même. Ça va annuler la voie publique. Tandis que Chachamim vont nous dire, non, on ne peut pas annuler la voie publique, étant donné qu'il y a des passants qui passent. Tu ne pourras pas faire des murs n'importe comment ici. C'est le principe général qu'on va voir dans toute la Mishnah, mais sous deux halakhot différentes. Et on a déjà la première partie de la Mishnah, qui on parle de deux cas, mais c'est le même principe. On parle que maintenant qu'il va être abonné à l'IA al-Gabei Shnebatim. Il construit une maison en étage au-dessus de deux maisons. Soit il a deux maisons sur la voie publique, une en face de l'autre. Et comme c'est un peu devenu à la mode dans les constructions à Jérusalem, c'est de plus en plus, on fait des ponts. Des ponts, en fait, d'une maison à l'autre. Donc du coup, on se retrouve, et on habite sur le pont, on a la voie publique qui passe en fait sous sa maison, d'accord? Donc, la question est, est-ce que je peux porter maintenant sous le pont? Ouais, est-ce que je peux porter maintenant sous le pont? Le deuxième cas, c'est un vrai pont tout court. Vechen Gisharim, Amefoulash et Midem aussi pour poser celui qui veut partir, qui veut porter sous un pont qui est Mefoulash, on peut traverser d'un côté à l'autre. C'est la même idée, c'est le même principe. Pourquoi il a fait parler de deux cas? On expliquera peut-être un petit mot après. Donc, il y a la voie publique, deux maisons sur le côté, et un plafond qui me couvre. Parce qu'il y a quelqu'un qui habite au-dessus, ou parce que c'est un pont, pour passer d'un côté de la rue à l'autre. Rabbi Yehuda, il va me dire quoi? Ben, metaltelin, tarten, beshabbat. Selon Rabbi Yehuda, on va pouvoir porter sous ce pont pendant Shabbat. Pourquoi? Selon Rabbi Yehuda, il y a quatre murs. Vous vous rendez compte? On a deux murs sur le côté. Mais en réalité, les deux murs qui sont aussi dans l'épaisseur du pont, ou bien encore plus, à plus forte raison, si on a même une maison au-dessus, on a une vraie maison, on a des murs là-haut. Les murs, on a la règle qui va me dire Pitikra, Yored, Vesotem, Gudachit. Le mur, il va descendre, on considère qu'il ferme. C'est-à-dire, quand je veux définir est-ce que je suis dans un endroit enfermé par quatre murs, la réponse, elle est sur le Rabbi Yehuda, oui. Tu as quatre murs ici. Pourquoi? Parce que tu as deux murs sur le côté, puis tu as deux murs qui sont un peu plus haut que toi, où tu passes sous le mur, mais le mur, il est là. Donc en fait, ton endroit, il est maintenant délimité par quatre murs. Telle est la vie de Rabbi Yehuda. Pitikra Yored Vesotem, c'est le principe qu'on avait évoqué. Principe qu'on avait évoqué dans la Mishnah précédente, quand on avait parlé du fameux toit là-bas de la maison en angle qui était tombé, qu'on considère que l'épaisseur du plafond, ça, son épaisseur, c'est déjà considéré comme un mur, et du coup, on considère que ça définit l'endroit, ça le délimite. Ok, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Vachachamim Osrin. Et Chachamim interdisent de porter dans un cas pareil. Pour quelle raison? Parce que, selon Chachamim, il faut... Là, c'est délicat. Dans Tiferet Israël, il a dit quelque chose de pas exact pour le moment. Chachamim interdisent parce qu'ils considèrent pour le moment que le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui marchent ici... Attendez, j'ai un petit doute, une seconde. Veyesh, la Mechetzet, Melamata, ils ne précisent pas. Le fait qu'il y ait les gens qui marchent fait qu'il n'y a pas de mur. On peut peut-être éventuellement considérer parfois qu'il y a un mur, si c'est pas un lieu de passage. Mais un lieu de passage, on passe pas... C'est-à-dire, tu veux construire un mur fictif, alors que au lieu de rester dans le fictif, dans le concret, il y a des gens qui passent, il n'y a pas de mur. D'accord? C'est le principe de Chachamim. Pour le moment, tu n'as pas de mur ici. Donc ça ne marche pas. Ok? Et ça, c'était le premier cas. Pourquoi il a fallu préciser deux cas, le cas de la maison et le cas du pont? C'est très technique, parce que en fait, c'est assez fréquent. Lorsqu'on a une discussion... sur un point, c'est la même idée dans les deux cas de figure. On a envie de prendre le cas le plus extrême.
pour inclure le plus grand chidouche de l'un et le plus grand chidouche de l'autre, en fait. Selon Rabbi Yehuda qui nous dit que ça marche, Rabbi Yehuda il nous dit que ça marche, même si le mur du dessus c'était même pas fait pour être un mur d'habitation. Comme le cas du pont. Maintenant, d'un autre côté, le pont, il a quand même l'avantage qu'il est comme... D'accord, bon, c'est vraiment technique, quoi. Il y a, si vous êtes intéressé, il y a un Tiferet Israël ici qui précise exactement qu'on a voulu prendre que le cas que même, que Chachamim vont interdire, même si le mur du dessus, c'est un vrai mur de construction pour pouvoir habiter dedans. Malgré tout, tu habites au-dessus, mais en dessous, on peut pas considérer que c'est un mur qui va descendre fermé. Et voilà. Et deuxième partie de la Mishnah maintenant, c'est un peu la même idée, mais cette fois-ci, il y a Rabbi Yehuda qui va pousser le bouchon encore plus loin pour permettre encore plus. Jusqu'à maintenant, on avait deux murs, on avait quand même deux semblants de murs au-dessus de la tête qui étaient considérés. Maintenant, on va avoir Rabbi Yehuda qui va nous permettre de porter avec deux murs et rien au-dessus de la tête. Et c'est comment, par exemple, le cas. Veodama Rabbi Yehuda, encore il a dit aussi Rabbi Yehuda, Mervin et Mavoy à Mefoulash. On pourra faire un Hérouf dans un Mavoy Mefoulash. Soit on a une impasse qui est, c'est plus une impasse, c'est une ruelle, qui est donc méfoulache, qui est perforée, on peut rentrer d'un côté, et sortir de l'autre. On a une vraie petite ruelle, avec sur le côté des rangées de maisons. Alors Rabbi Yehuda va me dire, hey, regarde, t'as ici, un mur ici, t'as déjà deux murs, tu sais ce que tu fais? Tu fais juste, c'est plus précis dans la Mishnah, mais c'est précis dans la Gemara, tu mets juste des léchis, des petits semblants de murs, là, les petits léchis, c'est des petits tasseaux, des deux côtés, un de chaque côté, et puis maintenant, ça y est, t'as réussi à avoir un endroit fermé par quatre murs, excellent. Chachamim, ils vont dire, non, pas du tout, Chachamim, ils vont interdire de porter dans un cas pareil, pourquoi? Chachamim, ils vont dire, dis-moi, le peu d'histoire, là, de mettre le petit tasseau, là, pour faire un semblant de mur, c'est bien quand t'as trois vrais murs, en théorie, trois murs, c'est déjà considéré comme un réchauffé yachid. Je te demande de faire quelque chose de symbolique, de le fermer le quatrième, mais un petit... mais une petite fermeture symbolique, un petit tasseau, on va voir que maintenant ça y est, c'est-à-dire aussi commencer à construire le quatrième côté sans le fermer complètement. Mais lorsque tu as un mur qui est une ruelle qui est perforée des deux côtés, où tu entres, tu ressors de l'un et de l'autre, les gens ils passent et ils repassent constamment, tu vas faire quoi? Des petits tasseaux symboliques, il faut que tu aies au moins trois murs. Là, tu as zéro mur pour le moment. Les petits tasseaux que tu as mis, puisque les gens passent sans arrêt, ils annulent complètement leur effet de faire un semblant de fermeture. Il n'y a rien de fermé ici. Ça ne marche pas, tu ne pourras pas porter ce nom, Chachamim. Et c'est une marloquette qui touche au Deoraita. C'est-à-dire, selon Chachamim, deux murs, ça ne marche pas. Même Midoraita, parce que Midoraita, deux murs ne définissent pas un réchauffé yachid. D'accord? Donc du coup, celui qui va vouloir porter dans cette ruelle, alors qu'on a mis juste deux petits tasseaux des deux côtés, il peut transgresser parfois un interdit de la Torah, selon Rabbi Yehuda. Selon Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, non, parce que dès qu'il y a deux murs, c'est déjà, de toute façon, c'est plus un vrai réchauffé yachid. Et du coup, on va pouvoir lui permettre avec les deux petits tasseaux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol, Touv, Salah.